Salut, bon, ça fait un moment que j'ai pas mis une vidéo sur YouTube. Je suis vraiment en retard sur les vidéos. Non pas que j'ai pas filmé, hein, mais j'ai pas le temps de faire le montage. Donc, je fais une vidéo vite fait avec le téléphone, en espérant pouvoir vous faire un petit tour un peu de la voiture, montrer un peu où j'en suis. Il y a pas mal de choses qui ont évolué. Donc déjà pour commencer, nouvelle colonne de direction. Donc on voit ma colonne de direction d'origine. Nouveau volant, donc j'ai acheté un volant Momo avec un support de volant OMP. Et donc ça, c'est ma colonne de direction d'origine. J'avais modifié le bout afin de pouvoir donc monter la colonne de direction qui était pour une direction assistée sur un boîtier manuel qui n'est pas à la même longueur. Le problème, c'est que mine de rien, on prend pas mal de place. En plus, du fait de la façon dont c'est fixé au bout, c'est pas vraiment fixé, fixé. Donc en fait, si tu tires sur le volant, ça a tendance à tirer la colonne du boîtier de direction. Ce qui fait que tu te retrouves avec du jeu ici. Et bon, c'est toujours un peu le bordel. Du coup, je passe à une nouvelle colonne de chez Motion Race Works. Qui est donc avec un embout démontable d'un côté. Donc, le moyeu de volant, du coup, tout le volant et tout, ce sera enlevable de la colonne de direction, ce qui va me faciliter la vie pour monter et descendre la voiture. Et du coup, juste après, un tube tout propre et un embout avec un collier de verrouillage qui va me permettre de mettre ensuite des U-joints comme ça, ce tube. Ah, ce tube, c'est une barre section rectangulaire. Un deuxième U-joint et le nouveau boîtier de direction qui est une direction assistée de chez Borgson qui prend moins de place que le boîtier d'origine et qui va surtout me permettre de gagner de la place au niveau de l'échappement. Parce que comme on voit, donc j'ai fait imprimer en 3D des sections et qui se clipsent toutes ensemble. Et j'ai modélisé en fait en 3D, en réel, du coup, mon collecteur d'échappement côté conducteur. Donc, 4 en 2 en 1 avec diamètre 1,625 pouces, 1,75 pouces, 2 pouces et enfin 3 pouces à la sortie. Le tout étant donc en longueur équivalente pour tous les cylindres et avec cylindres 1 et 5. Qui se rejoignent ensemble et 3 et 7 qui se rejoignent ensemble. Donc ça c'est à part. J'ai un collègue dont c'est le métier de faire des collecteurs d'échappement qui m'a fait du coup tous les calculs et du coup pour avoir tous les la une comment on appelle ça en français? C'est back pressure en anglais. Grosso modo c'est pression dans l'échappement qui soit équivalente et qui soit et surtout toutes les ondes de chaque échappement, chaque cylindre, sortant de chaque cylindre, en fait, les flux d'air en fait soient harmonisés et du coup qu'on n'ait pas de trop de pression en fait en sortie de cylindre. Donc ça me permet, ça va normalement me permettre de sortir plus de chevaux du moteur, plus, ça fait un collecteur qui a de la gueule. Donc, maintenant il va falloir que je refasse tout ça en inox. J'ai les tubes parce que l'une des nouveautés, du coup, c'est que tout ça va être fait avec du tube de chez Vibrant Performance, qui est devenu sponsor du projet. Donc, il me file tous les tubes pour échappement. Donc, je vais être en inox 321 au niveau des collecteurs. Et après, sous la voiture, inox 304. Avec un cross pipe, donc une croix, avec les échappements gauche et droite qui se rejoignent sous la voiture, puis qui se reséparent pour pouvoir sortir latéralement sous la voiture, devant les roues. Donc au niveau de la voiture, j'ai fini l'aileron arrière, donc tout en alu. J'ai installé les aérocatchs au niveau du coffre. Donc, en fait, j'ai dû faire tout un décaissement au niveau de l'évacuation d'eau qui est en dessous, qui fait partie de l'aile arrière, pour pouvoir mettre le support pour la tige qui vient donc dans l'aérocatch, celle-là. Là. Donc, pas mal de travail à refaire tout autour. Je mettrai une photo pour vous montrer ce que ça donne. Mais ça me permet d'avoir le coffre fermé bien comme il faut
et tous les gaps bien alignés comme il faut. Ensuite, je me suis fait une cinquantaine de petites platines comme ça, tout autour de la lunette arrière et du pare-brise, ce qui va me permettre de monter les vitres en plexi. J'ai quasiment fini l'élargissement des ailes, soudé les parties arrière dans le coffre, ainsi que soudé toute la jupe arrière ici. J'ai mis la plaque d'IMAD, non pas que je vais la conduire maintenant. Bon. Ensuite, autre travail. J'ai, il me reste ces trous-là à finir de boucher, mais j'ai fait des petites plaques qui viennent combler, en fait, d'origine, on a un joint caoutchouc et une pièce en inox qui vient faire le contour de vitre. Moi, je veux plus avoir ça, vu que j'ai plus rien tout autour, en fait, des vitres, j'ai plus rien. Pareil au niveau de la portière. Donc, au niveau de la portière, j'ai bouché tous les trous. J'ai même bouché les trous du rétroviseur, parce que je veux le déplacer. Et ici, du coup, j'ai refait une pièce pour faire finir, en fait, prendre cette section ici et la continuer tout autour de la vitre arrière. J'ai fait des panneaux ici pour pouvoir virer d'origine. Le panneau, en fait, est soudé ici. Et après, c'est tout recouvert de plomb pour tirer la surface propre. Donc, j'ai viré ça. J'ai refait un nouveau panneau, j'ai soudé. La même chose au niveau des piliers A. Des deux côtés, les platines aussi ici. La même chose au niveau du bas du pare-brise. Ensuite, j'ai préparé mes patrons en carton pour pouvoir faire les extracteurs d'air derrière les roues avant. J'ai fini mes extracteurs d'air au niveau du capot. L'autre côté, il me reste juste à faire un peu de meuleuse pour nettoyer ça. Mis les aérocatchs à l'avant aussi, donc on voit notamment pareil toutes les découpes que j'ai dû faire ici, donc vous imaginez à l'arrière, pareil au niveau du coffre, ça tombait sur une double épaisseur comme ça, donc beaucoup de découpes et de boulot. Au niveau de la face avant, donc j'ai repris sur les ailes, et puis la face avant, donc j'ai mis un petit coup de peinture. Là, j'avais pas mal de rouille en fait ici, où j'ai fait un nouveau panneau. Je suis venu souder. Je suis venu aussi mettre des supports ici, donc percer, parce que j'ai une plaque alu, donc pareil avec plusieurs platines ici. J'ai une plaque alu qui vient me fermer complètement ça. Donc comme ça, toute la partie avant, l'air sera obligé de passer dans le radiateur et de ressortir par la baie moteur. Au niveau de la face avant, j'ai déplacé les lignes ici afin qu'elles s'alignent avec celle-là. Donc d'origine, en fait, celle-là venait là. On voit encore un petit peu là où il y avait de la soudure. Et là, il y avait un gap. Parce que d'origine, on avait les supports de pare-choc qui dépassaient. Donc, en fait, j'ai fermé le gap ici, déplacé toute cette ligne. Celle-là, avant, était ici. Et celle-là était là. Donc, du coup, j'ai aligné les deux et comme ça, elle s'aligne avec la ligne ici qui, du coup, s'aligne avec le capot. Du coup, j'ai mis un petit coup de peinture un petit peu partout. J'ai redémonté la fuel cell ainsi que le boîtier de chauffage. Au niveau de la fuel cell, du coup, j'ai un nouveau partenaire. Je vais travailler avec Radium Engineering. Radium Engineering ou Radium Automotive, un des deux. Et du coup, je passe en fuel cell avec ce qui s'appelle un surge tank. Donc en fait, c'est une pompe dans le réservoir qui remplit un mini réservoir dans lequel on a une autre pompe. Ce qui fait que en fait, même en virage, quand l'essence va partir d'un côté du réservoir, j'aurai jamais de problème d'alimentation d'essence. Parce qu'en fait, mon mini réservoir qui est toujours sous pression et qui lui est toujours rempli, c'est lui qui a la pompe à essence qui envoie au moteur. Donc en fait, il fait office de tampon. Du coup, je vais avoir ça dans la voiture. J'aurai un nouveau régulateur de pression d'essence, donc double pompe, nouveau faisceau électrique, enfin bref, tout le système. Du coup, je les ai contactés il n'y a pas longtemps. Ils ont décidé de sponsoriser le projet. Ce qui fait que maintenant, j'ai Vibrant Performance qui sponsorise pour tout ce qui est échappement.
Radium Engineering qui sponsorise pour tout ce qui est essence. Recaro me fabrique des sièges. Et Penske Shocks qui font les amortisseurs en IndyCar me fait les amortos pour la voiture. Donc bon, pas mal de choses qui avancent. Et là maintenant, ce que j'ai attaqué à faire, c'est au niveau du tableau de bord. J'ai découpé en fait la partie ici. J'ai rajouté un tube au niveau transversal sous le bas du tableau de bord. Donc j'aurai quelques petites platines et le tableau de bord sera vissé vraiment sur ce tube-là, comme ça ne bouge pas. Et du coup, là, ce que je vais voir, c'est passer ma nouvelle colonne de direction et voir à quelle hauteur je la mets et quelle position je la mets, histoire de voir la distance à laquelle je veux avoir le volant, en fait, par rapport à ma position de conduite et la position de la colonne par rapport aux pédales, voir si je passe toujours les pieds en dessous et compagnie. Donc voilà, j'ai avancé, je vais avancer un peu ça aujourd'hui. J'ai aussi enlevé tout ce qui traînait au niveau du tableau de bord, tous les trous et compagnie, là, tout ça, il va falloir que je bouge tout ça. Donc je vais avoir pas mal de découpes à faire et je vais refaire des nouveaux morceaux, petits morceaux de métal pour boucher un peu tout ça. Enfin voilà, plein de travail. On travaille aussi sur la 944, bien entendu. Et grosso modo, on est début avril, premier week-end d'avril. La voiture, normalement, devrait être au Semachaux cette année, au mois de novembre. Pas forcément peinte ou quoi que ce soit, mais au moins assemblée avec toutes les nouvelles pièces dessus. Les vitres, les sièges, harnais, j'espère le nouveau faisceau. Tableau de bord en place, arceau fini, système d'essence fini, suspension finie. Donc voilà, pas mal de boulot en prévision, mais j'avance assez vite ces derniers temps, donc c'est cool. Voilà l'update, c'est brut de décoffrage, hein. Il n'y a pas beaucoup de montage ni quoi que ce soit, mais au moins ça vous donne un peu des news sur la bébête et où j'en suis. Voilà.